Alors, la loi dite de la PMA pour toutes a récemment ouvert les techniques de procréation assistée aux femmes célibataires désireuses de devenir mères. Et les gynécologues sont littéralement débordés par les demandes. Voilà. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, vous êtes la maman d'Antime, qui a 8 ans, qui se balade dans les couloirs, qui est trop, trop mignon. Vous l'avez assumée seule, Antime, dès la grossesse, parce que le père biologique n'a pas souhaité s'investir dans la vie de cet enfant. Et puis, 6 ans plus tard, vous mûrissez un nouveau projet, vous vous dites, pourquoi est-ce que je n'agrandirais pas la famille? Ce n'est pas parce que je suis tout seule que je ne vais pas le faire. Grossesse seule, donc par choix, grâce à la PMA. Et en 2020, vous avez accueilli non pas un bébé, parce que la vie nous joue des tours et des farces qui sont plutôt très sympas parfois, mais deux bébés. Et c'est Émilie et Anatole, des jumeaux âgés de bientôt 2 ans, qui se baladent aussi et qui sont à tomber. On va revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, Louise. Donc vous êtes retrouvée là, pour le coup, maman solo pour la première fois, mais c'était malgré vous. Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Parce que c'est vrai qu'on présente souvent la maman solo comme une maman un peu malheureuse, quoi, un peu débordée, très seule. Alors, cette première grossesse, en effet, c'était une surprise. Et ça a été très compliqué pour moi, dès le départ, une grossesse avec une dépression avant la naissance, après... Oui, voilà, je pleurais énormément. C'était vraiment très compliqué pour moi, même si j'avais tout pour être heureuse, que j'avais une situation stable, que j'étais entourée. C'était pour moi très compliqué d'accepter, en fait, cette parentalité solo. Voilà, donc c'est vrai que là, pour le coup, vous avez quand même vécu ce que vivent la plupart des mamans. Et puis, j'imagine qu'il y avait aussi le choc d'apprendre que vous êtes enceinte et de voir que le père ne veut pas assumer. C'est ça. J'ai appris la grossesse assez tard, j'étais déjà à 7 semaines. Puis finalement, ça c'est, lui ne souhaitait pas poursuivre la grossesse et moi c'était quelque chose que j'envisageais pas. Donc voilà, j'ai décidé d'assumer toute seule ce bébé. J'avais déjà une trentaine d'années. Donc, alors voilà. Après, j'imagine que vous y êtes fait. Ça s'est plutôt bien passé. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à la décision d'une PMA en solo? Parce qu'après, vous avez vécu une histoire d'amour quand même après ça, ou pas? Oui, après la naissance de mon fils, j'ai rencontré quelqu'un. Ça a duré un petit moment, mais ça n'a pas poursuivi. Et après une formation en périnatalité, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais ce désir d'être à nouveau maman. Donc j'ai cherché comment je pouvais être maman toute seule. Et est venue l'idée de passer par la PMA à l'étranger. Vous êtes dit, moi je veux une grande famille, c'est pas parce que je suis toute seule que je vais me priver de ce bonheur-là. C'est ça, oui. Alors vous avez donc 36 ans, vous choisissez une clinique en Belgique. Ouais. Donc c'est une insémination artificielle avec donneur anonyme de sperme. Vous avez donc eu une stimulation ovarienne. Le premier essai, comment ça s'est passé? Vous arrivez en Belgique, on vous insémine, ouais. Et là... Qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes dans quel état? J'étais très, très sereine. Je me sentais vraiment très, très bien. J'étais vraiment prête à accueillir tout ce qui venait, en fait. Et très rapidement, je me suis sentie enceinte, sans savoir si ça avait marché ou pas. Mais je me sentais vraiment alignée et j'avais vraiment l'impression que ça ne pouvait pas être autrement que positif. Vous étiez sûre de vous, en sortant, ouais. Vous êtes dit, ça a pris. C'était incroyable, c'était plus fort, c'était vraiment un ressenti très profond. Et très vite, je me suis dit, ah mais en fait, si ça se trouve, il y en a plusieurs et c'est OK, quoi. Ah ouais? Vous êtes dit ça? Ouais, ouais. D'instinct? Okay. Bah ouais, il y avait quelque chose qui... Voilà. Alors Louise, racontez-nous comment vous découvrez que vous êtes vraiment enceinte, même si vous en étiez intimement persuadée, et surtout vous êtes enceinte de jumeaux. Alors quand je fais mon premier contrôle chez la gynécologue, elle s'arrête de surprise et en fait, il y en avait 3. Et je lui dis non, mais vous inquiétez pas. Ça aurait été une autre affaire quand même, 3. Ouais, 3, ça aurait été... Je n'ai que 2 bras. Et finalement, il y a un des sacs qui a disparu et donc il restait bien 2 petits gars... en pleine forme. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez appris que c'était des jumeaux? Ça ne vous a pas fait peur quand même? Eh bien, en fait, j'avais déjà comme cette sensation d'avoir déjà des jumeaux en moi. Donc, en fait, je n'ai pas eu peur. C'est plus l'entourage qui était plus inquiet pour moi. Oui, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Vous décidez d'agrandir la famille en mai. Vous êtes enceinte de jumeaux en septembre. C'est ça. Donc, c'est quand même ultra rapide. Vous n'avez même pas eu de temps d'adaptation psychologique, je dirais. Qu'est-ce que vous disait votre entourage? Les gens étaient contents, mais c'était plutôt ma maman qui était inquiète par rapport à l'arrivée de ces 2 enfants, parce que ça me faisait 3 enfants toute seule. Ah oui, donc, d'un point de vue organisation à envisager et que j'ai rapidement pris en main
pour que tout se passe pour le mieux pour la suite. Alors, votre grossesse est globalement bien passée. Le 5 mai 2020, vous accouchez par voie basse, 7 mois de grossesse, un peu avant. Ça y est, vous êtes maman solo, donc de 3 garçons. Ça devient concret. Comment ça s'est passé, la rencontre avec vos bébés ? C'était super. Ça reste un moment très, très émouvant pour moi. Très serein, j'étais bien entourée. Ça s'est vraiment très bien passé. Vous avez accouché avec qui ? Avec votre maman à côté de vous ? Non, j'avais une doula. Ah, une doula. Une doula qui m'a accompagnée. Je voulais quelqu'un de très neutre à mes côtés, qui saurait me soutenir et du coup, qui est devenue une amie. Oui, parce que forcément, on tisse des liens très privilégiés. Vos enfants ont passé presque un mois en néonate, comme ils sont nés un petit peu avant. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été vraiment difficiles ? Parce que maman solo, il y a quand même le grand qu'il faut continuer à gérer, à élever. Vous avez en plus décidé de les allaiter. Vous avez réussi à vous organiser toute seule comme ça ? J'ai anticipé, j'ai déménagé pour une plus grande maison, j'ai préparé plein de petits plats au congélateur pour être sûre d'avoir de quoi manger après. Pendant votre grossesse ? Ouais, j'ai préparé tout ça.